présente sur le plateau du Canal Football Club mardi 16 mai à l'occasion de la Ligue des Champions, Laure Boulot n'a pas vraiment apprécié les mots de l'animateur, Hervé Mat. L'ancienne joueuse ne cesse pas gênée pour lui faire savoir en plein direct. Les matchs les plus importants de la saison pour les plus grands clubs européens sont en train de se jouer en ce moment. Si plus aucun club français ne peut prétendre à la victoire finale dans aucune des Coupes d'Europe, certaines équipes mythiques sont encore de la partie, à l'image du Real Madrid. Le club de Karim Benzema s'apprête à affronter le Manchester City de Pep Guardiola ce soir, dans une demi-finale retour qui s'annonce épique en Angleterre. Les deux rivaux connaissent déjà leur adversaire en finale puisqu'il s'agit de l'Inter Milan, qui s'est qualifié avec aisance ce 16 mai lors du derby face au Milan AC. Comme pour tous les matchs de Ligue des Champions, Canal+ a prévu son dispositif habituel avec l'émission phare de la chaîne cryptée, le Canal Football Club. Aux manettes du show de référence sur le football, on retrouve depuis de nombreuses années Hervé Matou. Le journaliste de 56 ans est en charge de l'émission depuis 2008 et comme à chaque fois, il est entouré de consultants spécialisés, à l'image de Laure Boulot, présente depuis 2018 et qui est rapidement devenue très populaire. Ancienne joueuse de très haut niveau, appelée à de nombreuses reprises en équipe de France et qui a passé l'essentiel de sa carrière au Paris Saint-Germain, elle donne son avis d'experte chaque semaine, en plus de se montrer très active sur les réseaux sociaux. Présente hier soir pour commenter le match entre les deux clubs de Milan, Laure Boulot n'a pas vraiment apprécié la remarque de l'animateur à son égard. Après une petite anecdote sur les origines anglaises du Milan AC, Hervé Matou a lancé, désolé pour ce moment de culture, Laure, ce que l'ancienne joueuse de 36 ans a pris pour de la condescendance. Non mais ça veut dire quoi, ça? A-t-elle immédiatement rétorqué, avant d'attendre que la pub arrive. Pensant être hors antenne, elle reprend son collègue de travail avec véhémence. Arrête de me faire passer pour une débile. Une petite scène de tension qui n'a pas échappé aux internautes, qui se sont empressés de partager la séquence sur les réseaux sociaux.